Autrefois, dans un petit village russe, un père sur le point de marier son unique fille convoqua les trois hommes qu'il a désirés pour femme. Bien que très pauvre, il pose sur sa vieille table trois sous, un pour chaque prétendant. « Je veux, leur dit-il malicieusement, qu'avec cette petite pièce de monnaie, vous trouviez de quoi remplir entièrement cette cabane. Celui qui réussira obtiendra la main de ma fille. Mais pas avant! Allez !» Chacun de ces hommes met son sou dans la poche et prend la route. Dès le lendemain matin, le père qui surveillait impatiemment la route aperçoit le premier prétendant suivi d'un immense chariot contenant un immense tas de paille. Il déverse sa cargaison par la porte, il empile, il entasse encore et encore jusqu'au dernier fétu de paille, mais malheureusement, il n'arrive à remplir les lieux qu'à moitié. Dans l'après-midi, le père qui surveillait désespérément cette route aperçoit le second prétendant, suivi d'un immense chariot contenant un gigantesque tas de plumes. Il déverse ses plumes par la porte, les fenêtres, il les fait même voler, mais elles retombent toutes et il n'arrive malheureusement à remplir les lieux qu'aux trois quarts. Enfin, à la tombée de la nuit, sur la route que le père ne surveillait même plus, apparaît le troisième prétendant, le plus jeune, suivi uniquement de son ombre. Il frappe à la porte, elle s'ouvre, et il entre à l'intérieur de la cabane, déjà plongée dans l'obscurité. Il salue la mère, le père, la fille, plonge la main dans son sac et en sort une simple chandelle. Il l'allume et ainsi remplit la cabane tout entière de lumière.
Thank you.